Salut à toutes et à tous, on se retrouve ici pour une petite vidéo tranquille, détente. Je préciserai même une série de vidéos, car je pense plutôt en tourner quelques-unes à la suite, donc deux ou trois, je ne sais pas encore, tout dépendra de mon envie. Je vais vous faire un peu patienter là sur l'écran, donc vous allez pouvoir vous éclater à voir le fond, vous allez voir, c'est génial. Pour dire que donc je suis désolé pour mon accent qui semblerait que ça gêne certaines personnes. Et pour le sujet de l'orthographe, il s'avère que je suis dysorthographique et j'ai, on va dire, beaucoup de mal avec le français. Donc croyez-en, je tente de faire du mieux possible pour faire sans faute. Alors, j'arrête de parler, tu vois, si je vais continuer à parler, mais je veux dire que j'arrête de vous laisser patienter sur cet écran qui vous stresse sûrement. Bon, stresser, c'est peut-être bien, c'est un grand mot, mais qui vous intrigue, vous savez pas ce qui va arriver. Alors, bon, forcément, il y a le petit chargement habituel qui fait suer tout le monde, ça, on est d'accord. J'en profite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en off? Alors, comme proposé dans une vidéo précédente, j'ai dégagé autour de la maison. Donc, vous verrez même que j'ai utilisé un peu de gravier. Et il s'avère que j'étais allé miner. Et j'avais gardé un endroit pour vous. Car voilà, c'est quand même pas le plus facile à voir. C'était en bas. Hop, j'ai oublié la redstone. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien récolté. Donc, j'ai des minerais de fer et de l'or. Et la redstone et du lapis lazuli. J'ai fait un peu de charbon. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était ici. Notre premier diamant. Alors, attendez, c'est la pioche. Je me suis dit que, en fait, j'ai hésité. Est-ce que je le mine sans eux, avec eux? Je me suis dit, non, c'est cette série, je peux pas me permettre de miner un diamant sans eux. Alors, la génération de map a été très bonne, hein, comme vous pouvez le voir. J'en avais 6, on va dire, à quelques cubes d'intervalle. Je trouve ça quand même assez phénoménal. Quand je suis prendre encore un peu de fer, hein, j'en ai pas assez. On n'a jamais assez de fer. Et en fait, il s'avère que je suis dans la grotte qui était à côté de mon ancienne maison, celle où je m'étais fait tuer par une araignée, oui. C'est bien celle-là. Comme à ma grande habitude, quand je mine, je suis pas sans paisible. Déjà que je lag dans les mines en général, je ne sais pas pourquoi vraiment. Attendez. 3. Ouais, bon, j'utiliserai ces 3-là. En fait, il m'en faudrait. Alors, le gars, déjà. Il vient à peine d'avoir 6 diamants. À peine. Ma chose, 6 diamants, voilà. Le gars, il vient d'avoir 6 diamants. Il commence déjà un peu à râler. Je manque un peu de charbon. La personne donc rien à voir. La personne qui m'avait conseillé de dégager autour de ma maison au cas où un creeper furtif m'attaquerait. Dédicace à la personne qui se reconnaîtra, que vous connaissez car je lui ai déjà fait de la pub, qui est Louloute du 33. 33, la Gironde, je veux pas dire de conneries. Je sais même pas où est-ce que c'est le 33. Oh putain, le fail. Je suis même pas sûr que ce soit la Gironde. Je pense pas que c'est du rapport. Non, ouais, c'est bon, j'ai déjà assez de. Non, je vais pas tenter le 2 sacs parce que voilà. Hein. Ça va pas être le top pour vous. Alors maintenant la question c'est par où est-ce que je suis arrivé? Oh là là. Si je me suis perdu, ça va être marrant.
Alors, là, est-ce que j'en connais? Est-ce que j'en connais? Oui, mais en fait, ça m'étonnerait que j'en connaisse quoi que ce soit. Ah oui, j'étais pas loin d'une faille. J'ai presque failli. Alors, attendez que je réfléchisse. Non, je vais pas dire ce que je pensais. Que je me pose la question. C'est pas du tout ça que j'allais dire la première fois. Hein. Alors, attendez. Allez. Alors, je me demandais en fait si j'allais l'explorer avec vous, mais réflexion faite, je vais le faire. Mais il y a qui me pose un mais en plein milieu de la phrase pour le confirmer ce qu'il a dit. Pas très logique, hein, pour le français. Ah, tiens, la cobaye. Alors, attendez, je trouvais plus la molette sur ma souris. Alors, oui, quand même, hein, faut le faire. Ça existe des personnes comme ça, qui, comme moi, galèrent à trouver leur souris. Alors bon. Oui, ce coup, je suis parti avec des planches pour me faire des sticks ou bien, en cas de besoin, me recrafter une pioche que je pense que je vais devoir déjà faire. Vu que. Non, une table de craft, ça suffira, je pense, ça, c'est pas mal. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai tous les achievements. Ah oui! Puisque avec Louloute du 33, on avait donc fait un test pour voir ce qu'on aurait pu faire comme série. Et en fait, le serveur était sur 1.2.5, et donc elle m'a envoyé, non, elle m'a pas envoyé, j'ai utilisé Craft Back surtout, donc ça n'a rien à voir ce qu'elle m'a envoyé. Et donc, en fait, on est retourné à 1.2.5 pour faire des tests. Je me laisse un rapport avec la prochaine série qui sortira. Donc, je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'elle sortira. Comme vous pouvez vous y attendre, forcément, ouais. Alors là, ce qui serait énorme, c'est quand je retrouve un diamant. Je vais prendre les pseudos parce que je sens que ça peut être très utile. Et je crois que je peux même insister sur le très utile. Voilà. Là, c'est plus cohérent. Je pourrais même encore plus insister, mais bon, après, ça commence à devenir un peu lourd. Alors, si je commence à m'amuser à tenter de casser de la stone avec une épée, je sens que je vais galérer. J'ai fait un test. Bon, j'avais totalement rien à foutre, sûrement, à ce moment-là. Hein. Même pas sûrement, certainement, et sûr et obligé. Je me suis amusé à casser de la stone avec la main. Je dirais, quelle occupation magnifique, hein. Je dirais normal. Et je trouve que par rapport à des versions antérieures, le cra... Le... Rien à voir, le craft. C'est beaucoup plus rapide. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je vous mettrai le craft back dans le lien, donc le craft back de 1.3 points, et vous me direz comme vous pensez de la dernière version du craft back. J'ai un message, je sais pas si vous l'entendez. Je réponds pas parce que je suis en vidéo, j'ai pas envie de m'embêter. Je suis avec vous, c'est de la détente, c'est super. Bon, alors. Je cherche du diamant. Hein. Désolé si ça va pas être un épisode très passionnant. Pour l'épisode que j'ai tourné juste après, je me récupérerai, on sortira, je vous montrerai ce que j'ai fait. Là, je peux rectifier parce que j'ai failli fail, hein. Ce qui est un beau rattrapage. Le gars qui se balance pas des fleurs. Allez, hop. Technique très connue pour et on va même en donner un de folie poser une torche. Je me sens plus torche. Ça, c'est trop le genre d'endroit à la con. C'est du désolé pour l'insulte où tu peux mourir, mais dans le genre de façon bête, tu vois, t'as. La façon bête, et après t'as tout ce que je suis capable de faire. Comprenant. Le saut dans la lave, qui m'est déjà arrivé, hein, forcément.
Mais en général, je vous ferai remarquer que on fait ça, du mes plus grosses conneries, du non, une connerie, c'est pas considéré comme insulte. Quand on a quelque chose d'important sur soi. Parce que, en général, le stress de le faire tomber, il était tellement attentif à tout qu'à un moment tu as l'attention et tu fais quelque chose qu'il faut pas. Ça, c'est du même dans mon cas. Hein. Après vous, je sais pas. Dans mon cas, c'est souvent ça. Et on va dire que c'est marrant pour ceux qui regardent, même pour s'il y a des personnes qui regardent ça. Ou bien pour ceux qui veulent me troller, ça en général, ça aussi c'est pas mal. Ce que je vais faire en fait, c'est on va dire, c'est relativement très ordure de ma part. Quoique non, je vais même pas le faire parce que c'est tellement bas. Je vous le fous peut-être dans la. Je vous le fous, ouais. J'en ferai. Voilà, hein, parlez bien français, moi, y'a. Ça, c'est totalement dégueulasse, ce que je viens de dire. J'ai aucun problème avec les Allemands, en plus. Dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je me dégoûte. Vraiment. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je dise ou que je dise pas. Oh, et puis non, je vous savez quoi, je vais vous le dire. Et après, je vous oblige vraiment, mais vraiment, je suis sincère, à le faire. Parce que ce que je demande, là, en fait, c'est vraiment pas du tout, du tout gentil. Parce que c'est même pas très, très. Je ne sais même pas ce que légal, on s'en limite pas tellement. Mais je veux dire, c'est pas très histoire. Ouais, ça va rien dire, ça n'a aucun rapport. Ce que je voulais vous demander, en fait, c'était si quelqu'un avait une idée de comment je pourrais faire connaître ma chaîne un peu plus facilement. Puisque, bon, certes, je suis inscrit sur le Fantabob Game. Donc, c'est justement là où quelqu'un m'a dit que, ça, bon, malgré mon accent, c'était mes vidéos étaient, on va dire, à peu près potables. Non, je vais pas dire bien parce que sinon ce serait comme on va dire me lancer des fleurs. Ah, tu es encore cobble. Alors, si je trouve un diamant, sérieusement, je saute de joie. Vous voyez le genre de saut tellement joyeux que tu sautes à 2,6 m. Donc, je dis vague. Vague. Les petites blagues pourries pour la forme. Hop. Et hop. Voilà. Ça, alors oui, ça aussi c'est marrant, Tizlo, hein, je crois que vous aurez remarqué. C'est utile, mais c'est aussi, on va dire, un des trucs que j'aime pas trop. Un des trucs que j'aime pas trop. Alors ça, c'est précis comme information. Alors là, alors, prions pour qu'il y ait du diamant. Non, diamant, pas fer. C'est pas exactement le même grade de minerai, quoi. Pas, si c'est un peu planté. Bon. J'arrête de tourner autour du pot. Ce que je voulais vous demander, c'est si. Mais non, je viens de vous le dire. Oh là là. Le gars, il perd pas du tout la mémoire. Ah, donc, c'est là que quelqu'un m'avait dit que mes vidéos étaient potables, mais que ce serait bien si je. Bon, on va dire que mon accent, on va dire, réussisse à diminuer. Et si. Je faisais moins de fautes. Donc, ce à quoi comme au début de la vidéo, je vous l'ai dit, je le fais pas exprès, heureusement. Et c'est pas. C'est que je suis dysorthographique. Donc, je tente de m'appliquer. En fait, là, au passage, je vous raconte ma vie, quoi. Style, le gars, il sait qu'on se lamente sur son sort. Non, je tente très sérieusement pour vous de faire moins de fautes. Je me doute bien que ça doit être énervant pour ceux qui sont meilleurs en orthographe que moi.
de voir des fois tous les deux mots. Ah, je crois que ceci dit, c'est tout à fait compréhensible. Quand on voit quelqu'un qui est français, qui n'arrive pas, on va dire, mettre deux mots à la suite sans faire de faute, c'est tout à fait rageant. Les gars, ils prennent. J'ai l'air dégoûté là, je crois, quand j'ai dit ça. Alors, ça fait 15 minutes, 15 minutes que je suis dans cette mine avec vous. Sérieusement, non. Il y a moi, par contre, je sens qu'il y a un truc qui est tout à fait marrant, c'est ressortir. Alors là, on va s'éclater parce que je sais plus du tout. Je sais pas où est-ce que je suis arrivé dans la faille, mais je sais plus du tout comment je suis arrivé ici, par la grotte. Mais alors attendez, je cherche du diamant totalement pifomètre. Oh non, la bedrock. En fait, je suis relativement très bas. Hein. Je sais pas comment je suis. Voilà. Ouais, bon. Attendez. Ouais, ok. J'étais à la couche 11. Bon, là, je peux descendre encore de 4 cubes et pour ensuite que ce soit bon. Attendez, j'ai eu un raccourci que j'ai appris. C'était ça. Ouais, j'ai pas le truc en bas de la map. Alors, j'ai des FPS, ils sont bizarres là. C'est 24% de la mémoire. Ok, bon, c'est pas mal pour une vidéo. Bon, désolé, ça fait totalement rien à voir. Hein. Et puis, 441. Ouais. Je suis sûr que si je fais la map en multi, la génération de map sera. Je me demande pas la génération de map. Les FPS vont chuter, mais à une vitesse folle. Ça sera totalement hallucinant. Alors par où? Ah oui, je suis arrivé par là. Par le chemin le plus pratique. Et le plus safe. Je n'ai remarqué que je me faisais pousser par l'eau. Là, 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 là. Torche. Alors. Trouvons le chemin. Alors. Yep. Là, à partir d'ici. Il y a une torche en haut. Ok, bon, on y va. Alors là. Hop, là, alors c'est pas là. Pour prouver que je suis déjà passé, je fais. Quand je verrai ça, je saurai immédiatement que je ne suis pas du tout dans la bonne direction. Alors. Non. C'est pas là. C'est peut-être par là, espérons, oui, peut-être. Du vieux, petit freeze, ça met toujours la forme. Hein. Ça rappelle que l'ordi est un peu chaud. Alors, ça, c'est du jamais vu. Deux blocs à côté, juste dans un petit trou. Bon, pas mal. Bon, je vais pas les récupérer. Quand même, on va dire. Excuse. Excuse universelle. Je peux dire que tu as la flemme pour tout. Oui, tu viens manger. Ouais, la flemme. Ok, mort de flemme. Ok, merci. J'ai une flemme. Bon, allez, je m'en fous. Sachez mon prénom. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Que je m'appelle Pierre, Paul, Jacques, Joris. Champignon rouge, enfin. Yep. Yep. Hop. Yep. J'ai bien beaucoup de torches. C'est bien marrant. Voilà. Je vais remettre une parce que. Ceci dit, je progresse dans la grotte. Je vois que c'est éclairé, je vais aller voir. Bon. Mon dieu! C'est la foire du champignon rouge. Faites du champignon rouge aujourd'hui. Mercredi 8, je vous dis attends, mercredi 8. Bon, mercredi, je sais pas combien. Ah, voilà. Mercredi 8. Ouais. Mercredi 8, 8. 8 à 8, c'est pas gazé. C'est comme si je faisais de la pub. Je
Ah, c'est là, je crois. Ah oui, c'est là, oui, super. Non, j'ai réussi à retrouver. Oh, non, oh, je me suis gavé. C'est quel moment de la journée, là? Super. Alors, pour vous faire juste un plan, je suis parti par là, je suis arrivé ici. Pour vous donner à peu près une idée du trajet que j'ai fait. Voilà. Comme ça, au passage, vous pourrez voir les modifications que j'ai fait sur la map. J'ai un peu fait. Voilà. Si je prends pas la côtelette, ça va pas le faire. Deux côtelettes. Ah, ça c'est perturbant. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai dégagé. Magnifique dégagement. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas oublié de bloc. Je n'ai rien laissé de flottant. Et deuxième modification, j'ai commencé à faire la plateforme. Donc j'ai magnifiquement bien torché n'importe comment, comme vous pouvez le voir. Voilà. 28 minutes qu'on tourne. Je vais mettre les ressources dans un endroit safe. Et voilà. 18. Non, pour le moment. Pour le moment. Ça, faut le préciser. Alors, je vais en mettre là. Et je vais même en rajouter parce que sinon je sens que je vais pas en avoir assez. Je me suis fait cuire du verre. Je pense que ça a été une très bonne idée. Le gars qui se lance pas des fleurs encore une fois de plus. Je vais faire un crack de. Bon, j'ai gagné, c'est quoi ça? Alors, hop. Shazam. Alors, on va. Pour finir cet épisode, je vais un peu décorer avec vous, en compagnie de vous. C'est pas comme si je venais de me répéter. Voilà, comme ça je mets genre à cuire. Donc ça n'aura pas été un épisode riche en action. Je crois que on est tous d'accord sur ça. Je vais manger un poulet. Juste avant, je vais repasser en normal. Ce qui serait pas mal. Alors, je me couche maintenant avec mon épée. Bon, ça c'est une habitude que j'ai pris en fait. Car je me fais tellement souvent attaquer. En fait, j'ai tellement torché aussi ma maison. Alors, on va prendre une chêne pour changer. Restons dans le thème de la maison. Je mets du chêne. Alors, hop. Et hop. Voilà, donc c'est un petit endroit tranquille. L'endroit le plus safe de la maison. Non, peut-être pas. Il y a aussi le lit. C'était faible, ça. Très faible. Ceux qui auront compris, qui mettent un commentaire dans la vidéo. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui auront compris parmi ceux qui regardent les vidéos, mais bon. C'est n'importe quoi, sérieux. Oh, je suis un sac à conneries. Ça commence à s'intensifier. Alors, voilà. Ouais, non, c'est bon, je croyais que j'avais fait qu'il me fallait encore mettre une demi-dalle. J'avais fait une découverte. Zut, non, ça me l'a faux. Je vais mettre un peu des vitres. Maintenant que j'en ai. Youpi. La joie. La bonne humeur. Youpi. En fait, je me fais une réflexion. Le fait que j'habite dans une. Là, dans le. Ah oui, non, là, ça va être problématique. Bon, bah, super, je vais pouvoir aller faire que de. En fait, je crois que c'est. Comme les Bob Lennon, en fait, ça sera un peu les lunettes de chiottes qu'on a dans les toilettes. Ce qui. Quand on, en fait, quand on le dit comme ça, TTJBWatt, je passe pour. Un chaoui, en fait, on dirait. Alors voilà, 4 petites vitres, c'est pas mal. Alors là, je me sentirais bien d'en mettre deux là pour le plaisir. Pour savoir si j'ai des créatures totalement sadiques telles qu'un squelette
La créature que je hais plus en fait. Pourquoi? Parce que tu es sûr à 90% qu'ils vont jamais te louper. C'est affreux. 25 minutes, trop. J'ai l'impression que ça fait à peine 2 minutes, même pas 2 minutes que je vous ai dit. Après, ça fait 20 minutes qu'on tourne. J'ai l'impression que ça fait 3 minutes que je vous ai dit. Mais pas mal, déjà 15 minutes l'épisode. Là, je suis content quand même d'avoir envoyé le message pour faire des vidéos de plus de 15 minutes. Je vais pas trop m'attarder parce que sinon ça va devenir n'importe quoi, une vidéo d'une demi-heure, ça va être totalement bordélique. Ouais, parce que je suis vraiment pas organisé dans la durée de mes vidéos, c'est ça le problème. Alors, ouais, j'ai des champignons comme ça. Ah, j'ai pas mal de redstone, donc je pourrais vous faire des trucs, par exemple. Mais non, je peux pas parce que j'ai pas encore d'os. Le système que j'évoquerai vers les épisodes 5 ou 6 de la série et que j'ai oublié le nom et que c'est moi qui l'ai fait en plus. ABC, je s'est planté. Je crois que là on m'entend un peu plus fort. Attendez, je fais un test. Là non, on m'entend plus. Alors, et là. Et là, je sais pas si on m'entend pas mieux. Dites-moi là si à partir de maintenant vous m'entendez mieux. Parce que étant donné qu'il y a certaines personnes aussi qui se plaignaient de mal m'entendre. Amy, je peux crier dans le micro, mais là je suis pas sûr que ça plaise à certaines personnes. Attendez. Et voilà, là c'est à peu près calé. Alors, ça c'est pas en les laissant ici que ça sera très utile. Bon, ben, je vais mettre un établi ici. Qu'est-ce que je vous dis? Ben, je vais le caler ici. Bon. Je vois la difficulté. Je pense que je vais devoir envisager de faire une pas une salle des coffres. C'est pas vraiment le terme que j'emploierais, mais je pensais plutôt à la. Bon, je pensais pas à une salle de lag, ça. Du moment qu'il y aura de la redstone, ce sera beau. Je vais voir s'il y a du blé. Non, tu vois, vous voyez. Si je vous tutoie, ça va pas le faire. Ah, mais ça, c'est bien. J'aime l'idée. J'aime. J'aime. Suite d'une pub dont je ne dirai pas parce que sinon je vais avoir vraiment des problèmes. Contenu censuré pour pub. Ah bon mais super. Je vais devoir vous réexpliquer que je viens de tourner pendant je sais pas combien pendant une demi-heure quasiment et pour me rendre compte en fait parce que le contenu a été censuré parce que je faisais de la pub. Youpi. Je peux comme ça on peut après l'épisode je peux l'appeler épisode fail. Youpi. T'as même pas commencé l'épisode, t'as déjà fait un fail. Ouais! Garde la foi! Ou bon, ou ce que tu veux. Garde la pêche, comme ça. Mais non, en fait, faut que j'évite de dire les propos ostentatoires. Ah ben, pile poil. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est ceux qui essaient de faire de l'humour. Non, je vais rien dire parce que ça aussi c'est le genre de truc qui se fait censurer sur YouTube. Et même il y a peut-être des personnes qui aiment donc je peux pas prendre le je peux pas me permettre de prendre ce genre de risque et même pas de donner son opinion comme ça pour le plaisir. Je ne pensais que en fait avec tout le fer que j'ai ramassé, on pourra se faire des du matériel. Je voulais dire une armure. Ce qui sera pas mal. Yep, les. Et ben voilà, pile poil. Donc ça me fait 9, 10. On a 10 bons blés. Bon blé. Pourquoi pas. C'est pas mal hein, comme prononciation. Hein. Prononciation, voilà. J'arrive à parler, enfin. À peu près. Vaguement. Alors, on va nourrir les moutons et les cochons. Et sur ce, on s'arrêtera là. Alors, attendez.
Attendez que je compte. Alors, voilà. J'ai un bébel là-bas. Alors, oui, j'ai dû me séparer de Piggy, donc il était dans la maison, mais bon. Je pense que là où il est en ce moment, il est mieux. Alors, bébel, ramène-toi. Hop. Et hop. Voilà, éclatez-vous. Et ici, pour avoir un. J'ai oublié la faux. Alors, hop. Et hop. Allez-y, éclatez-vous. Et ils ont un mouton bébé rouge. Allez, youpi. En fait, non, on va pas se quitter de suite. On va d'abord, par exemple, même sûrement, ça fait bizarre maintenant de voir hein, qu'on a des vitres. Allez, hop. Et je suis. J'aime gaspiller mon fer inutilement. Je n'ai pas assez de fer. Bon, si. Je pense que maintenant vous l'aurez deviné. Si je manque de fer, je sais où est-ce que je peux aller. Le tout sera de retrouver le chemin. C'est là le plus gros affaire. Les problèmes. Surtout. Alors, ouais. Ouais, bon. Et non. Oui, donc, il me semble l'appeler. Alors, j'ai pas de barrière. Ça me fait rire les moutons. Non, non. Tu te prends pour qui là pour partir comme ça la route? Allez hop hop hop, tu rentres. Et hop. Allez, oh, c'est pas dur. Oh. Oh là là. Je savais que c'était idiot un mouton, mais à ce point-là. Pas incroyable. Alors, hop. Et hop, tu te pousses. Tu files ta laine. Et je vous dis au revoir. Au mouton. Ah non, oh non, sérieux. J'allais dire un truc, mais c'est totalement idiot. C'est quoi ça, ce bouton? C'est un sac à laine ou quoi? Mais ouais, c'est sûr, hein. C'est un peu quand même logique. Si c'est pas un mouton qui a de la laine, je pense, bon, à la limite, la vache peut avoir le cuir. Mais là, ça commence vraiment à me faire suer, là, le fait que. Ouais, bon, allez. Alors. Vous allez me suivre là, voilà. Toi non, tu restes à l'intérieur. C'est bien, je trouve. Allez. Non, purée. Allez, on rentre. On rentre là. Allez, tu manges cette herbe là. Bon, super. Bonne nouvelle. J'ai épuisé son stock de laine pour le moment. Bon, ceci dit, ça devrait vite revenir puisqu'ils en ont besoin puisqu'il fait froid. Rapport totalement rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que je disais. Ouais, non, en fait, je voyais encore un truc rouge, mais c'était le mouton. Commence déjà à faire nuit, donc ça va faire 34 minutes de tournage. C'est pas mal, je trouve. Attendez, je cherche. Et nous voyons ici un magnifique squelette de Zamboisboisi, tribu très éloignée et contrée inexplorée. Nous sommes les premiers. Là, je peux délirer longtemps. Alors, vous ne pouvez pas dormir car nous avons quelqu'un qui compte vous faire suer longtemps à proximité. Alors là, je suppose qu'il parle de mon ami. Mon ami, je sais pas où qui est. Oh non, oh non, j'ai la souris qui vient de déconnecter. Oh non. Hop là. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Fin très fail, hein, je crois que vous l'avez deviné. Je vous dis donc à une prochaine vidéo. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Donc comme forcément.
Forcément, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas. Quoi d'autre? Vous pouvez me suivre sur Facebook et maintenant Twitter depuis quelques épisodes. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et allez, ciao ciao!